Ok les potes, nouvelle boutique, n'oubliez pas. Petit pouce bleu de vous abonner comme d'habitude, le petit code créateur. J'ai la gameuse en majuscule et minuscule. Et on est parti pour la petite boutique. Donc d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a de beau? C'est jeudi. Ah bah, oui, ça, oui, c'est vrai. Les skins Gami et Guile sont de retour. Les Street Fighter, ça, j'avais vu ça tout à l'heure dans un tweet d'Epic Games. Du coup, moi j'avais déjà les skins, donc forcément. Mais je sais que j'aime, moi j'aime bien, c'est pas le skin meuf, en fait, j'aime pas trop la première custom, mais c'est la deuxième, militaire. C'est obligé, je l'ai, les gars, ça, ce skin-là, c'est logique. Le skin mec, bah évidemment, militaire aussi. C'est même pas une question qui se pose, hein, je l'avais déjà, forcément. Et la danse est intégrée avec les skins, en fait. Je vais vous montrer. Skin féminin. Skin masculin. Le pack est plus cher que le prix adéquat en bas. Hein. Parce que moi, j'ai déjà le pack, le skin tout seul. Et c'est du coup moins cher aussi. Et attendez, d'abord, c'est vrai qu'il y a les pioches. Alors, les pioches, je les ai pas pris parce qu'ils m'intéressaient pas des masses. Donc, les pioches avec la planeur, ils coûtent 1600. Donc, voilà, ceux qui sont intéressés par les pioches et du coup le planeur. Je vais écouter le bruit des pioches d'abord. Voilà. Alors, la première pioche, c'est de la fille. La deuxième, en vrai, la celle du garçon, j'aime plus parce qu'elle fait plus. Elle fait H, la fille, elle est simple pioche. Et la pioche du mec, ça va. C'est un pioche que j'aime bien jouer. J'en ai déjà plein des pioches H, donc voilà. Ensuite, également le skin tout seul, 1600. Le second skin, pareil, 1600. Je vous rappelle qu'il y a une danse intégrée dedans, donc c'est normal. La pioche, 800 V-Bucks. Et la seconde, même prix. Et pareil pour le planeur. Jusque-là, on est plutôt bon. Ensuite, le retour. Ah, ça, c'est le skin ID. Sorti à la première saison 6, je crois. Je me rappelle parce qu'il est sorti le jour de la saison 6, chapitre 1. C'est pour ça que je me rappelle sur ce skin-là, bizarrement. Mais c'est pas un skin que j'aime particulièrement, parce que... Mais c'était un skin rare, ce skin-là, ID, n'empêche. C'est un skin plutôt assez rare. Et bizarrement, elle sort toujours dans la même période. Parce que la saison 6, elle a commencé vers la saison... Au top, pratiquement, à l'époque. Donc le petit skin, 1500 V-Bucks. On a également le skin, bah Ludwig aussi, lui aussi, c'est pareil. Hein. C'est deux skins qui étaient extrêmement rares, donc voilà. Pour ceux qui aiment bien les skins un peu particuliers. Parce qu'en vrai, c'est. Voilà, c'est un peu particulier comme skin quand même. On a du coup leur pioche, c'est un accordéon. Voilà, 800... 500... j'allais dire 800 V-Bucks. 500 V-Bucks, les gars, je suis bourré, je crois. Ensuite, la petite planeur qui est un pique-nique, du coup. Pour 800. On a le retour de Rapa, ça, c'est deux custom. Une en version un peu Halloween, qui est d'ailleurs très bientôt. J'ai très très hâte de voir ce qu'Epic Games vont nous réserver pour 2000 V-Bucks. On a également le skin féminin. Ce serait bien si une nouvelle custom pour le skin féminin. Peut-être pour Halloween cette année, on sait jamais. Pareil, même prix, 2000 V-Bucks. On a également le planeur bombardier 1200. On a la pioche. Je crois que j'avais acheté la pioche bien avant les skins à l'époque. En vrai, la pioche, je trouve qu'elle était... ressemblait à la bière d'œuf de Homer. Ma version Slurf, quoi. Je sais pas si vous êtes d'accord, les gars. Ensuite, on a également, quoi d'autre? Le retour de Fléchette. Voilà, tout le monde connaît Fléchette, les gars-là. C'est un skin un peu tryhard en plus, avec ses trois customs qui étaient assez rentables pour 800 V-Bucks. En vrai, c'est plutôt rentable d'avoir plusieurs customs. Le skin Roupillon, ah, pourquoi il sort tout seul en boutique, je sais pas. Normalement, il y a plusieurs skins de ce style-là. Celui-ci coûte 1200 V-Bucks, les gars. Ensuite, on a également la danse jonglage. Dans ce qui date quand même, mais. Pour 500 V-Bucks. Tout est marrant comme danse. Danse avec Fischer. Ah, c'est ça, j'adore. Cette danse, on fait marcher en la faisant, ça c'est bien. Pour 500 V-Bucks, on a aussi le retour de cette immeuble. Bah, une danse copyright, encore une fois, vous connaissez bien. Depuis le temps, je ne veux pas vous le présenter. 500 V-Bucks, on a également le Consternation de retour encore en boutique qui était il n'y a pas très longtemps disponible d'ailleurs. Pour le mode imposteur, les gars, c'est plutôt stylé dans le mode emote. Ensuite, toujours disponible le petit partenariat du coup de Balin Siaga, du coup, qui est toujours disponible, les gars. Profitez-en, il va rester encore quelques jours, je pense. Donc, peut-être pas juste à la fin de la semaine, je sais pas trop. Si vous la laissez une semaine, peut-être. Hein, en vrai, comme c'est un partenariat, il y a moyen que juste à ce week-end, ils sont encore disponibles, je pense. Toujours disponible le pack de Maridor, pour ceux qui veulent le posséder. Pas, bah voilà, faites-vous plaisir, les gars. Elle coûte 11,99€. Vous avez 1500 V-Bucks dedans. C'est plutôt redable. Et puis le skin est stylé quand même. Faut pas se mentir. Et bien sûr, je vous rappelle que le club de Fortnite, en octobre, du coup, dans quelques semaines, hein, ça approche vite, les gars. On est quand même fin septembre là. Bientôt, du coup, le club de va changer. On aura un nouveau skin. Normalement, c'est un skin masculin, logiquement. Logiquement, d'habitude, c'est filles, garçons. Mais vu que c'est Halloween, donc là, normalement, ce sera un skin mec.
Donc je sais pas trop si comment ils vont faire ça les choses. On verra bien. Peut-être qu'ils vont mettre la fille et le mec après, mais ce sera bizarre parce que le mec fait plus Halloween que la fille. Après, je sais pas comment ils vont faire ça. Mais on verra ça du coup dans quelques semaines. Sur ce, n'oubliez pas le petit pouce bleu de vous abonner. Et le code créateur, les gars, qui est juste en bas, qui a un petit peu d'affichage. Mais bref, vous avez compris, le petit code créateur qui est juste ici. C'est la gameuse en majuscule ou en minuscule. Et moi, je vous dis à demain pour de prochaines vidéos. Bye bye!